Alors que l'enquête sur la mort d'Emma, Luna Lou, se poursuit dans Demain nous appartient, son interprète va bientôt voguer vers de nouveaux rôles, dont un pour une collection très connue du public. Bientôt 1500 épisodes pour Demain nous appartient. Lancée sur TF1 le 17 juillet 2017, la série qui attaquera sa saison 7 dans quelques semaines continue de séduire le public à grand renfort d'intrigues captivantes. Ainsi, la rentrée devrait être synonyme de bouleversement pour de nombreux personnages, dont certains adolescents. En attendant, pas de répit pour les policiers dans Demain nous appartient. Demain nous appartient, après Emma, Luna Lou, et Luna, Paloma Reno, à qui le tour? Après la mort d'Emma, Luna Lou, en couple avec un autre acteur de la série, le principal suspect semble prêt à s'en prendre à une nouvelle jeune fille, en l'occurrence Luna, Paloma Reno. Après avoir réussi à lui échapper, il n'est pas sûr que la jeune femme s'en sorte cette fois-ci. À moins que l'attention de l'agresseur ne se détourne vers une autre jeune femme. De leur côté, l'heure est au soulagement pour Roxane, Raphaël Volkov, et Sarah, Camille Genoux. En effet, elles parviennent à sauver in extremis Nora de la voiture folle. Mais cet incident va mettre le feu aux poudres entre l'informaticienne et Angélique, Laetitia Milo, concernant Violette. La jeune femme va d'ailleurs bientôt se révéler sous un jour obscur. Demain nous appartient, Luna Lou bientôt à l'affiche d'une série célèbre. Désormais libre de tout engagement avec la série de TF1 et alors qu'elle a évoqué son retour à la réalité, Luna Lou va pouvoir se consacrer à de nouveaux rôles. Ainsi, celle que l'on a vue dernièrement dans Prière d'enquêter, France 3, et, au cinéma, dans Le Monde d'hier aux côtés de Léa Drucker, fera bientôt son retour sur les écrans dans une fiction connue des téléspectateurs. Je vais bientôt être dans Meurtre à Chantilly, France 3 note de la rédaction, avec Elodie Frey, Bruno Todeschini et Hippolyte Girardot nous a révélé celle qui avait déjà joué avec plusieurs comédiens du feuilleton de TF1 auparavant, qui ne devrait par contre pas revenir dans Sam, TF1. En attendant de retrouver la comédienne sur nos écrans, celle-ci devrait passer un été studieux à enchaîner les castings. Nah.